Bonsoir, bande de sadiques. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sifoil, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Tu as oublié de mettre un cri, une sauce, et bonsoir Cécile. Et coucou ma bébé. Comment ça va? Comment est-ce que vous allez bien? Tu as oublié de mettre un cri, une sauce. Si, c'est dans le titre, Cécile. C'est dans le titre. Le message épinglé, c'est je rajoute des petites conditions. Je rajoute des petites conditions supplémentaires. Comment se passe, Camé? On te voit juste quand même pas du tout. C'est marqué dans le titre, Cécile. Aïe, aïe, aïe. Mais quelle modératrice. On va. Ah, bon. Elles sont là, bordel! Elles sont là! Mais bon, comme c'est vert, du coup, vous voyez pas le El Piñata, le Tais-toi et le Embrase-moi. Donc voilà, donc la moins forte. Alors la moins forte, le niveau 2 et le niveau 3. Voilà. Elles sont là. Il y en a que 3. Il y en a que 3. Bah, c'est pas mal déjà! Très très piquant. Et ouais, non, apparemment, ça arracherait vraiment la gueule. Donc voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vaut le coup. Oui, 3 niveaux de force. J'ai pris 2 coca. 9 nuggets. Une grande frite. 3 niveaux de force, etc. etc. Exactement. Et surtout, CD qui a été jusqu'au niveau 2. Il a pas réussi, il a pas supporté niveau 3. Oh putain, le bordel. Mais attention, je rajoute aussi, j'aime bien pimenter les choses. J'aime bien rajouter un petit peu de piment dans ma vie. C'est, alors, tac, hein, hop, j'ajoute. Juste, hop. Voilà, sur le Steam Deck. Voilà. Regardez, ça arrache, il mange grave pimenté. J'ai rajouté ça. J'ai rajouté la roue des sauces. Voilà, pour me mettre bien dans la sauce. Pour pas dire, oh, je prends le niveau 1, niveau 2, gna gna gna. Non. C'est l'aléatoire qui décide. C'est ça qui va être plus rigolo. Putain, tu me donnes envie de tes nuggets et tes frites, là. Et c'est des nuggets veggie. Oh, c'est des nuggets veggie. Voilà, mais du coup, je rajoute une difficulté supplémentaire. Un flow, deux sauces pour le croc. Donc, je trempe le morceau de nuggets dans une et dans l'autre sauce que la roue décidera, bien évidemment. Et le sub, c'est trois sauces, les trois sauces sur la langue. Voilà. Ouais, la moula, ça se mérite, hein, voilà. La moula, clairement, ça se mérite, hein. Je veux bien me sacrifier, mais voilà, quoi, pas déconner, quoi. Ils sont pas fameux, enfin, j'ai trouvé. D'accord, c'est pas fameux. Les nuggets veggie, c'est pas fameux. D'accord, merde. Oh, bah, merde, là. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour le défi, donc on s'en fout un petit peu. Putain, les 4, ils m'ont foutu un bordel sans nom sur au niveau des fils, là. Je me retrouve plus au niveau des fils. Moi, je dis vieux le poulet, voilà. Bravo. J'avais envie de varier un petit peu les plaisirs. On fait un petit poc à sucre, qui est végétarien. Donc voilà, vous savez tout, vous avez toutes les conditions. Et j'ai envie de dire maintenant, bah, let's go, quoi. Here we go. J'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte. En sachant en plus qu'on est... merde. Pourquoi le game... Ah, ok. En sachant en plus qu'on est sur un passage... Hein, je vais me faire dîner, je t'écoute, t'inquiète pas. On est sur un passage de merde où je vais me faire avoir, je vais me faire niquer. Je vais me faire complètement niquer. Je vais me faire niquer la gueule. Par contre, la dernière fois, je suis tombé, le dernier stream Silent Hill, je suis tombé sur un Ayatollah des Silent Hill, un grand fan de Silent Hill, qui a jugé bon de donner des leçons de morale. Des leçons de morale du genre, tu es un gros mouton si tu fais le...
Si tu fais le jeu alors que tu ne connais pas le jeu, etc., que tu ne connais pas la licence, etc., etc. Bon, je connais la licence, comme je dis, je connais la licence. J'ai juste jamais joué. J'ai jamais vraiment joué. J'ai toujours regardé, mais j'ai jamais joué. Et voilà, donc ça, les donneurs de leçons, j'avertis une fois, je fais un avertissement oral. Et je demande au modo de vous ban. Voilà. Clairement, les modos sont prévenus. Et vous, très chers spectateurs, vous êtes prévenus. Et ça va aussi pour toi, YouTube. Voilà, les leçons de morale en commentaire. Voilà, faut que tu cries. Putain, ouais, c'est le but, faut que tu cries. Non, mais je vais hurler ma race. Oh, je suis un peu Horizon Zero Dawn cet après-midi. Oh, pas de chef. Ah. Voilà, donc là, les rabasiteurs, là, ça, on dégage. On dégage à vue. On tire à vue. On tire à balles réelles. Voilà, j'avertis, je. Et je vous dis. Bah, grosso modo, tu as des mecs qui ont des fans qui débarquent sur le live. Bon, déjà, bonjour. Faut taper qui? Bah, faudra taper des gens qui débarquent dans le live et qui veulent ramener leur science, tu vois. En disant, bah, tiens, gros mouton, comment ça, tu connais pas le jeu, tu connais pas la licence, tiens, gros mouton de jouer à Silent Hill 2. Ça se fait pas de jouer au jeu si tu ne connais pas la licence. Alors. Allez vous faire enculer les gens qui commencent à sortir ces conneries. Clairement. Parce que moi, je me régalerai. Franchement, je me régalerai à débarquer. Si jamais vous êtes streamer, de débarquer sur vos streams et de vous le faire à chaque jeu. Parce que ça, c'est casse-couille. C'est turbo casse-couille. Et d'un, c'est turbo casse-couille. Et de deux, si tu as envie de découvrir une licence, tu découvres une licence, quoi. Voilà. On fait un petit peu ce qu'on veut. Et voilà. Et donc, du coup, voilà. Les modérateurs, vous êtes chaud. Vous êtes opérationnel. Vous êtes chaud patate. Voilà. Les rabat-joie, ça dégage. Des mecs ou des meufs. Ah oui, des mecs ou des meufs. Les deux, hein. De toute façon, les deux. Bon, là, je pense que c'était un mec parce qu'il parlait. Il n'y avait pas de EE. Mais voilà. Mais ça dégage. Ça dégage. Bon, je suis prêt à critiquer le jeu aussi parce que le jeu est bourré de ralentissements. Voilà. Je suis prêt à endurer le ralentissement et de mourir comme une grosse merde. Pas tout connaître, tu découvres, je vois pas où est le problème. Bah, il y en a qui voient le problème. Voilà. Il y en a pour eux, c'est un problème. Ah, donc, ils vont bien se faire enculer. N'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi, on est complètement d'accord. C'est pour ça, je fais un avertissement, je fais un avertissement oral. Je fais un avertissement oral avant de le ban. Je vous dirai s'il faut ban. Je vous dirai, allez hop, ça dégage. Je suis pas bien. Moi, je leur dis Kunya Mama, voilà, exactement. Tu as bien raison, Ceci. Là, on s'était arrêté. On avait dépassé ce passage. On avait dépassé ce passage. Je suis mort un peu plus loin. Mais honnêtement, je... Je peux... Je suis encore en capacité de me chier dessus. Mais de littéralement me chier dessus. Vous voyez, ces saloperies, elles peuvent se relever. En fait, elles ont la fâcheuse tendance à se relever. Donc voilà, donc je sais pas, hein, ça a été un petit peu isolé sur la dernière fois, ce trou du cul. Un mot pour juger une personne pareille, un trou du cul. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de potentiel trou du cul.
J'essaie quand même de jouer safe aussi. Parce que bah les munitions quoi, voilà. Parce que les munitions, les vites et MTC. Surtout que les mobs ils font très mal. Il va péter. Ah non, il pète pas. Là, il va péter. Voilà. Là, ça pète. Hein. Je leur dis Kunya Mamao. Ouais. Faut leur dire Kunya Mamao. Des balles de pistolet. Alors ça grésille. Ça grésille, mais tu vois, la porte, elle veut pas s'ouvrir là. Ça c'est très bâtard parce que ça peut se relever. C'est très très bâtard parce que ça peut se relever à tout moment en fait. Alors planche de bois. Voilà. Je vous avouerai que je préférerais jouer à Tomb Raider que Silent Hill. Mais allez. Pour le Lulz. On fait le défi Hot One. Pour le gros Lulz. Voilà, Jean-Marc, recharge s'il te plaît. Tu veux pas ouvrir la porte là? Allô? Ah oui, bah oui, moi je peux pas ouvrir la porte encore. On mange quoi ce soir? Ah, alors là, c'est une bonne question. Bon, on va manger de la sauce. Hot One. Ça te va? Est-ce que ça te va de la sauce Hot Ones? Allez, il me faut une clé, il me faut une clef. On va manger de la sauce qui pique. On va se manger de la sauce qui arrache le cul. Je vais mourir. Je vais mourir du fiac. Non, comment ça, non? Putain, mais ça, mais c'est abusé le nombre de mobs qu'il y a là à terre là.
Oh merde. Elle meurt, charogne. J'ai pas sursauté, j'ai pas eu peur. Pour l'instant ça va. Je vais crever, mais ça va. Sinon, il y a des nuggets, il y a des frites. J'essaye de t'envoyer la vidéo, ma bébé. La vidéo des cats qui sont en train de manger la soupe. Ils l'ont dégommé. Mais alors, ils l'ont mais dégommé. On dirait des morphales. On dirait qu'ils ne mangent pas. On dirait qu'ils ne sont pas nourris, ces chats. Tu sais, c'est... C'est un truc de fou. Un truc de malade. Donc là, effectivement, on peut voir qu'il y a plusieurs cadenas. Il y en a trois même. Nous avons un poste de radio. Ah, il faut une valve. Toi qui explose ce soir, tu vas pas crier. Alors attention, c'est un cri, un sursaut. C'est dit que c'est kiffé de la race de potichat, mais un truc de malade. Je m'en doutais. Quand tu me l'avais raconté, j'ai dit ouais, ça, j'en doute pas. J'en doute pas, mais ils ont kiffé leur race. Ouais, ah oui, c'est le cas de le dire. Bah voilà. Bah commence. Voilà, j'ai sursauté. Voilà. J'ai sursauté, bravo. Ah. Oh shit. Merde, vous la voyez ou pas la roue? On commence bien. Pourquoi c'est pas nous qui faisons tourner la roue? Ben j'ai pas le... Avec la fibre, ça pourra se faire, mais malheureusement, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Récapitulons au niveau des sauces. L'embrase-moi est au niveau 3. Et ben voilà. On commence par la pire. Oh sa mère. Oh. On va commencer par la pire. Voilà, comme ça vous voyez vraiment l'embrase-moi. On est généreux sur la sauce. Hein. On se met généreux sur la sauce. Adieu. Ah.
mec se fait des nuggets à bouffer. KLM ne me donne que des sauces à bouffer. Je te donne des nuggets si tu veux. Sa mère. Ah. Oh, c'est pas du pipeau. Ah. Ah. Merde. Ah. 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 Zéro scam, le... L'embrasement, il embrase. Franchement, j'avais un doute. Hein. Honnêtement, j'avais un doute. Je me dis, ouais, c'est un petit peu du scam. Non, ça arrache vraiment la gueule. Tu fais subir des choses, mazo. Voilà, j'avoue, je me fais subir des choses, là. Oh, mais ta mère. Mais putain! Comment ça, mon ref? Ah, tu aurais dû prendre du lait, putain, j'avoue. Il me reste 10 cartouches, il me reste 10 balles. Blague à 10 balles. Et allez, le vomito. Ne, j'ai pas vomi. C'est eux qui ont vomi, c'est pas moi. RIP, putain, mais ça commence bien. Putain, on a commencé par la pire des sauces, quoi, la sauce du niveau 3. Je vous jure qu'elle brûle, hein. Je vous jure que ça brûle. Hein. Je parle pas de toi. Ah. Comme de par hasard, il manque là, des trucs là. Mais en fait, c'est... Voilà. C'est dans des couloirs comme ça où t'as le jeu qui lag de fou. Où t'as le jeu qui va laguer de fou malade. J'entends des cris là-bas. J'entends des petits cris. Évidemment. Moi, je vous pousse, j'ai le détecteur cardiaque. J'en avais acheté un. J'en avais acheté un, mais grosse cam, le truc il a jamais marché. Le truc il a jamais marché, ça aurait été plus drôle j'avoue. Mais le truc il a jamais marché. Donc un peu bon, je me suis fait rembourser, hein, là n'est pas la question. Mais ouais, il n'a jamais marché malheureusement. J'aimerais trouver du coup un vrai détecteur cardiaque qui marche pour le coup.
c'était vraiment de la merde. Oh, putain, l'idée qu'elle est bonne. Ah ouais, mais super bonne idée. En vrai, l'idée est super bonne. Mais il faut trouver le détecteur cardiaque qui fonctionne. Un bon détecteur cardiaque. Pardon. Pas comme si on avait plein sur le marché, mec. Il y en a plein sur le marché, mais il faut trouver des bons, quoi. Après, c'est toujours pareil. Il faut en trouver des bons. Il faut en trouver des qui marchent, surtout. Faut demander à Sucre d'acheter le sien, exactement. Alors, Mister Jambette. On l'entend, la Mister Gambette, hein. Lui, j'ai peur qu'il se relève. Voilà. Allez, putain! Non, mais c'est chiant, putain! Là, je vais crever. Non? J'espère pas, ça me fait chier de tout se retaper. C'est casse-couille. C'est un super casse-couille de tout se retaper là. Mais ouais, il faut demander. On va demander à Sucre. Où est-ce qu'il a acheté le sien? Alors les jambes en bois, elles sont où là, les jambes en bois? Ah, elles sont là, les jambes en bois. Voilà, hop là. Tu m'excuseras, monsieur jambes en bois. Voilà. Ah, la sauce, elle m'a défoncé la bouche. Ah, du coup, je peux récupérer le... Ok. Là, hop, là, on va faire équipement. Fail, gros fail. T'as pas d'application pour les moniteurs cardiaques? Certainement, ouais. Je t'ai vu. Ça. Oui. C'est moi. Ah oui, c'en était. Tu as oublié quelque chose aujourd'hui? Mais non, j'ai pas oublié. Comment peut-on oublier une telle chose? En sachant bien évidemment que pour ce jour, j'ai décidé de faire le Hot Ones pour l'anniversaire de Ceci. Bon anniversaire, Ceci! Impossible, impossible de l'oublier. Impossible. C'est impossible de l'oublier. C'est impossible d'oublier l'anniversaire de Ceci, bien sûr.
Le problème de ces saloperies qui... Le problème de ces saloperies, c'est que... Oh, elle se réveille dans le couloir, évidemment, de toute façon. Ouais. Mais ça fait laguer le jeu! Et c'est comme ça que tu meurs, avec le lag. Ah ouais, y en a un là, voilà. C'est là où je suis mort la dernière fois. C'est sur ce passage où il faut gérer et lui par terre. Et lui là. Allez, viens, attaque-moi. Voilà. Genre tu perds à cause du lag, mais bien sûr. Non, j'ai perdu à cause du lag. Non, mais vraiment, je... Je sais que je suis de mauvaise foi. Mais vraiment. Je dis, tu lattes à coup de batte. Hein. Mais je suis laté les couilles à coup de latte. Hein. Ah, je peux pas... Le jeu il lag hein. Tiens, le jeu il lag, il a des chutes. Il a des chutes de FPS, elles sont dégueulasses. Et pourtant j'ai tout baissé, hein, j'ai tout baissé au minimum. Voilà, par exemple, toi, je commence à laguer, tu vois. Je parle du bordel qui rampe. Non, le bordel qui rampe, la saloperie qui rampe là. Ah, je reviens du ici. Ok. Oh, let's go. Donc là. Voilà. Tu es dérangé en vrai, tu rentres chez lui, tu fous le bordel, en vrai, tu se fâche, j'avoue. Après, c'est lui là aussi, c'est James là. Casse ses couilles. Aiguille des heures. Mec, il rentre comme ça là, hein, foutre le bordel. Bon, en vrai, j'ai rien demandé. Hein. Pouet, 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 pouet. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est trouver le point de sauvegarde. Mais non ! Pa-pa-pa-ra-p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 a
Regardez, hop là. Ça lag de fou, même ça, ça lag. Même la sauvegarde, elle lag. J'appuie, hein. Ça lag. Vous avez vu, ça lag. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc là, il faut... Un Scott. Donc l'aiguille des heures, il faut que je la positionne sur... On dirait 10 heures, non? On dirait 9 heures. On dirait 9 heures, non? Merde. Parce qu'après on a fait tous les apparts, hein. On les a tous fait. M sur la porte, H sur la porte. On n'a pas fait la 208. Ah si, la 208 on l'a fait, si on l'a fait. Henri a peur de Scott. Est-ce qu'il cherche à se cacher et enfuir à l'ouest de l'autre côté? C'est qu'il arrive Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Il y a un truc. Il faut continuer à chercher des aiguilles en tout cas. Il faudrait peut-être même trouver. Ah, mais attends, là j'ai ouvert. J'ai peut-être ouvert quelque chose. Henri a peur de Scott. J'ai peut-être ouvert la porte où il y a le H. Voilà. Big brain. Big brain. Motherfucker. Donne-moi des petites pilules. Non, c'était des balles de pistolet. Vas-y, recharge, voilà. Ça lag, tu vois, voilà, ça lag. Vous voyez, t'es mauvaise foi. Mais non, je suis pas mauvaise foi, ça lag. D'accord. D'accord. Pas d'objet. Putain, ça lag de fou. Big dick, motherfucker. Mais t'as à prendre un mois le Game Pass. Ah, mais vas-y. Je vais mettre tac. Voilà. Bas. Je vais tout mettre, voilà. Je vais tout mettre en bas.
Et même comme ça lag un petit peu. Ouais, gros lag du cul. Ouais, vous comprenez maintenant quand je dis que ça lag. C'est pas une blague. Hein. Ça pète les couilles. Hein. Ça pète les big couilles, les big balls. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'intéressent dessus. Après, voilà, prends-le si ça s'il y a des jeux qui m'intéressent. Mais ne le prends pas si s'il n'y a rien qui t'intéresse, alors c'est si. Ne le prends pas. Le chiotte. Des bruits dégueulasses dans le chiotte. Yeah. Faut fouiller dans les chiottes. Bon appétit, bien sûr. Ah, les bâtards. Ouais, y a Tunic, Assassin's Creed Valhalla. Diamant, putain. Oh ta mère! Mais. Et en plus, ce connard là, il. Il esquive! Donc j'ai fini de manger. Bah ouais, j'avoue. Figurine pigeon. Mais attention, parce que là, y a l'acide. Il y a l'acidité. T'as crié? J'ai crié? Non, j'ai crié? J'ai crié? C'est une blague. Bon. Je vous le conçois. Allez. Parce que sinon, j'en mange jamais. Ah la tais-toi. Oh là là, la tais-toi. Bah voilà, c'est la tais-toi qui a gagné, donc oui, bah oui. La tais-toi de niveau 2. Voilà, bon, on peut pas trop bien voir. Voilà, tais-toi. De niveau 2. Unboxing de la sauce de niveau 2. Un peu plus clair la texture. Ouf. Ça sent les épices. Voilà. Ah, j'ai plus de mission, donc oui. Ah. On n'est pas avare sur la sauce. À la vôtre. Moins forte que la 3. Mais ah. Ah. Oh, j'en suis rien. Se prononce cher. Ah. Donc un sumérien voit cela et dit ah, cher. Ah.
Ah. Il est sérieux, X, là? Il est sérieux, Twitter? Regardez, non mais sérieux. Regardez ce que j'ai comme notif. Alors que je ne le suis absolument pas. What the fuck? Ah. Complètement what the fuck, hein. Ah. Figurine pigeon. Ah. Non mais sérieux, putain, une notification. Donald J. Trump vient de poster une photo. Mais j'en ai rien à foutre. JPP, on ne dit pas tout. Bah ça se voit que le réseau, il a Elon Musk, hein, ça se voit. Hein. Tu reçois une petite notif. Voilà dans le clan des perruques. Non mais ouais, tu reçois la petite notif de Donald Trump. Ça va, c'est sympa. Sympa, je suis très content qu'il ait posté une photo sur X. Sur Twitter. Ça a un bail couille. Oh, Santa Maria de Dios. Ah, voilà. On va te demander de faire partir son gouvernement. Après, si c'est bien payé. Mec, zéro figure. C'est bien payé. Autant qu'il me donne le ministère des chauves. Bon, après, ça me va. Faire payer la taxe coiffure. Oudou. Trump Junior plutôt, si, c'est Donald Trump JR. Et là, je suis sûr qu'il doit... Ah bah oui. Je veux dire, salut la famille. Salut les enfants. Merci le jeune. Putain, je me suis fait niquer par le raid. Et bonsoir le raid. Et bonsoir Josh, comment s'est passé ton live? Bon ben, voilà. Hein. La sentence est irrévocable. Est-ce qu'on peut avoir un petit SO quand même pour Josh, s'il vous plaît? J'ai eu peur, oui j'ai eu peur, ouais. Allez hop. Bon anniversaire Cécile. Le stream s'est passé de couilles. Ah. Alors, petit récapépète, on a eu deux dégustations de sauce. La première, parce que... Voilà, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte pour les gens qui viennent d'arriver. Ce soir, c'est défi Hot Ones. C'est-à-dire que dès que je vais avoir peur, dès que je vais crier, le SO il est en PLS complet. Le SO il est en PLS complet. Par contre, il est vraiment chier. Merci pour le SO, merci pour le SO du sucre. Donc grosso modo, défi Hot Ones, si je me mets à crier, si je me mets à être surpris, enfin si je suis surpris, je suis condamné à goûter. Une sauce Hot One. On en a déjà eu deux. Un sursaut et un cri. Comme par hasard, on laisse la roue, bien évidemment, on laisse l'aléatoire décider pour nous, sinon c'est pas drôle. L'aléatoire a voulu qu'on commence par la sauce de niveau 3, la sauce qui arrache ta gueule. Et effectivement, ça arrache bien la gueule. Mais vraiment, ça déboîte, hein. Ça déboîte le cul. T'en parles pas de Hot One, j'ai encore chier mou. Ah mais c'est un truc de fou. Tu as goûté les sauces, ça arrache la gueule. Hein. Ça arrache vraiment la gueule. Hein. Vraiment. La deuxième, c'était la niveau 2. Voilà. Et donc là, on va voir ce que la roue va décider pour nous de ce petit...
de cette petite surprise. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Là, embrase-moi, c'est la niveau 3. Jamais goûté, je vais éviter. Ça arrache le cul. Hein. Ça arrache le cul. Bon, ben, la niveau 3, quoi. Voilà, vous êtes témoin, c'est là. Embrase-moi. On est pas avare au niveau de la sauce. À la vôtre. Là, je commence à être anesthésié de la bouche. Il y a moins l'effet. Ça arrache le cul, bah tu verras demain. Là, j'ai moins l'effet. J'ai moins l'effet. Là, je commence à être anesthésié de la bouche. J'ai moins l'effet. Mais voilà, j'ai rajouté aussi un petit truc. Parce que c'est bien, les surprises, c'est cool. Mais si jamais nous obtenons un follow, à chaque follow, c'est deux sauces sur le nugget. Et merci ma bébé pour le lurk. Deux sauces pour le croc. Aléatoire, bien évidemment. Et le sub, c'est trois sauces, les trois sauces sur la langue. C'est un. Voilà, parce que voilà, ça. Voilà. Je vous jure qu'en fait, je veux pas de sub. J'aime l'argent. Je veux pas de sub. Ah, je vous jure, je veux pas de sub. Comme ça arrache sa mère. Ah non, comme ça arrache sa mère. Oh non, 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 non. Je vais avoir la langue. Elle va être morte. Elle va être morte de décès, là. Ma langue, elle va mourir de décès. Si jamais. Oh putain, j'ai mal à l'estomac. Pardon. J'ai mal à l'estomac. Mais quelle horreur ce défi. Et c'est ça qui est marrant. Du coup, ça reprend un petit peu le défi piment, dégustation de piment qu'on avait fait avec Gali. Oh, j'ai eu la bouche bée, hein, ça compte pas. Oh, putain! Très bien, c'est intéressant, Fouad. Sucremonde reprend un forfait shampoing niveau 1 depuis 4 mois. Oui. Non. Merci, sucre. Pour ton resub. Je me décompose, littéralement. Je me décompose. Là, je tombe la face. Bah, du coup, on ouvre la première, la El Piñata. Voilà, comme c'est vert, du coup, avec le fond vert. Avec le sourire, s'il te plaît. Oh, celle-là, elle a l'air très, très crémeuse. La première. Ah.
Un troisième. Oh, j'ai pris du coca. Ah. J'ai le bout de la langue en feu. Ça fait du bien quand elle est au frais. Social is back. Et bonsoir Rizzo. Ah, ça arrache la langue. Je vous jure, j'ai la langue qui brûle. Pour déclencher mon accouchement, je vais prendre une petite sauce, mais ouais, prends la niveau 3. Ah. Ah. Bois un verre de jus de foutre. Je vous jure que je souffle, c'est de l'air brûlant qui sort. Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est le défi Antoine. Ils sortent, c'est le défi Antoine. Un cri, un sursaut, c'est égal à un croc. Un follow, c'est deux sauces pour le croc. Et le sub, c'est trois langues dans les sauces. Mais je crois que je vais arrêter là, les subs, là, pour les subs. C'est horrible. Un verre de jus d'orange qui sent l'amande douce. Ah. Je vous jure, je suis en train de mourir de décès, là. Ah. Je suis en train de mourir de décès. Là, je suis comme lui, là. Je suis mode... Ah, je vais mourir de décès. Je suis en train de mourir là. T'es un connard. Il bouge plus. La ville charogne des bois. Oh salette. Ah oui, des balles. Là ça va mieux. Au niveau de la bouche, ça va un peu mieux là.
Tu veux que je retire l'épingle? Non, 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 on va le laisser. On va le laisser. Ou alors on répingle un follow, un croc dans deux sauces. Je meurs de décès là. Je vous jure, j'ai la bouche, elle est anesthésiée. Ah non, mais les anesthésies, let's go quoi. On l'a buté. Ah non, mais là tu m'as achevé, sucre, merci. Tu m'as achevé. Tu m'as achevé de la gueule là. Avec plaisir, le bâtard. Oh putain de merde. Allez, va te faire enculer le jeu, va te faire enculer! J'ai eu peur. J'ai un frémissement. Un frémissement, ça compte. Ben, ça compte comme. Putain, va te faire enculer le jeu! Va te faire enculer. Tu peux pas me mettre de la piñata. Non. Va mettre la télé. Tu t'infliges ça tout seul, mec. Là, je m'inflige tout seul. Putain. Oh putain, mais j'ai eu peur. J'étais en mode. Oh putain. Et cuicui fala. Bah oui, la cuicui là. Et cuicui à C8T, C8T. On est généreux sur la sauce, hein, bien évidemment. Bien sûr. Ça passe mieux. Je vous jure que ça passe mieux. Ça arrache, hein. Je sens que ça t'arrache la gueule. Mais ça passe mieux, quoi. Ça passe mieux. Parce que je suis anesthésié. Comment ça va? On en rediscutera demain. On en rediscutera demain, on verra dans l'état dans lequel je serai demain. Après ce défi, Antoine. Ça fait ça tout seul, mec. Ah, mais je me l'inflige. Je me l'inflige, mais de bonne grâce. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de défi. Bon, déjà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait. Que je faisais plus de stream, que j'étais plus du tout régu sur les streams. Mais je me suis dit, quitte à jouer à Silent Hill, autant sur un petit défi. Autant sur un petit défi, là. Demande à Michel Plan dans les bons défendus. Je prends ça pour un compliment. Mais oui, mais totalement, quoi. C'est c'est Michel Blanc et l'agnole, quoi. On m'a répondu, je me suis stoppé à la deuxième. Au niveau de la sauce, hein, en story Insta. Ah, ça lag, putain. C'est ça qui est chiant avec ce jeu, putain, mais ça lag, quoi. Et je suis au minimum, hein. Je rappelle, j'ai mis au minimum, et regardez-moi ça. Là, c'est pas la fibre, hein. C'est pas la fibre de Foils, là. C'est le jeu, hein, qui est opti avec le cul. Hein. Et c'est comme ça qu'on meurt. Parce que c'est pas bien opti.
Putain, mais tu te demandes qu'est-ce qui charge là en fait? Qu'est-ce que je charge? En termes de ressources, qu'est-ce qui charge là? Parce que c'est pas aigu. En fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. On commence par la bonne. Alors, la bonne nouvelle. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu es parmi nous. Je vais bientôt avoir la fibre. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui. Bon, spoiler alerte. Je risque de déménager avant la fibre. Bon, ça, on le sait, hein, mais... Ça c'est génial, c'est que tu vas voir la fibre. Parce que tu mourras avant que la fibre dans cet appart. Bah je vais mourir là, je sens que je vais bien. Je sens bien que je vais mourir là. Ok, c'est bon, je t'ai vu, Vomito. Et genre, je suis touché? Genre, il m'a touché? Mais pas possible. Je vais donc quitter la team code merde en 4G. Ah là là, terrible. Tu vas nous lâcher lamentablement. Tu as une piste pour un appart, malheureusement pas encore. Moi je devais avoir le 6, mais guignol chez colis privé, à livrer le kit fibre, mauvaise adresse. Oh, terrible. Terrible, terrible. Bon, ça c'est cool, ça. Ça c'est vraiment cool. Tu vas nous quitter. Tu vas lamentablement nous quitter. Aïe aïe aïe, terrible. Tu vas pas basculer dans le côté obscur. Je vais voir 6. En tout cas, franchement, je suis vraiment content pour toi. Ça va être vraiment génial. Mais là, tu dois être comme un fou, là. Tu dois être comme un fou en mode... Oh putain, vite, 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 vite. Vite que ça... que le putain de kit arrive. La figurine de cygne. Ah, il faut que je l'avance. Voilà, pour l'équilibre, évidemment. T'as pas idée, bah. J'imagine bien. La clé, elle est. La clé, elle est. Elle pourrait aller où, la clé, elle est. La clé, elle est où? On l'a fait le 208 ou pas? Je me rappelle plus. Putain, je vais pouvoir DL et re-DL plein de jeux facilement sans me prendre une semaine avant. Putain, c'est clair.
Ah, tu vas vivre. Hein. Tu vas vivre de fou malade. Sur la porte. Comment je pourrais faire là pour... Pour atteindre le 208, comment je pourrais faire? Bah oui, que je suis con. Putain. Non, mais des fois. J'ai cru qu'il était tourné. Qu'il tournait la tête. Hein. Ah, mais c'est ça. J'aime bien les nuggets veggie. Bref. Ah, c'est un peu. Ouais, ça va. C'est en hommage à sucre. Ça va, c'est comestible. En vrai, c'est comestible. Ça va. Ça va, mais en tout cas, franchement, je suis content pour les veggies. Pour les VG. Qu'il y a des options VG. Chez McDo, qu'enfin ils font des. Ils commencent un petit peu à se sortir les doigts du cul. Mais par contre, des options VG chez Burger King, c'est des tueries de malade. Franchement, j'adore. Limite, je mangerais plus de burgers VG chez Burger King que des burgers avec viande. Vraiment, je trouve ça super bon. Ces alternatives qui te. Vraiment, tu te casses le nez, quoi. Perso, je me casse le nez, quoi. Vraiment, je suis en mode. Choc barre. Le jeu, s'il te plaît, arrête de laguer ta race. Parce que c'est comme ça qu'on meurt, quoi. C'est comme ça qu'on meurt et je veux pas tout me retaper parce que le jeu a décidé de laguer de merde. Parce qu'il est opti de merde. C'est une optimisation de merde. Et oui, j'ai baissé tous les réglages. J'ai baissé tous les réglages. J'ai tout mis. Ouais, j'ai tout mis à zéro, quoi. J'ai tout mis à zéro, gameplay, non? Oh, le fait de se racler la gorge, c'est horrible. Il y a des relents de sauce. Et voilà, ça y est. Et là, le jeu, ça y est, il revient, on va dire, normalement. J'ai des putains de relents de sauce. Ah, ça y est, il lag. Voilà, ça y est, ça relag. Oh putain de jeu là. Arrête de laguer là, compte-toi. Je sens que je vais mourir pour de la merde. Relance ce goût cancer. Ah mais je vais mourir du bide. Je vais mourir du bide. Je vais mourir du bide. Là, je vais, là demain je vais déguster ma race. Hein. Regardez-moi ça, comme ça lag, putain! Ah. Ok. Le jus, la famille! Heureusement que sur le défi, j'ai pas dit à chaque sel, à chaque fois que je sel, je lâche un croc. Sinon, je meurs.
J'avoue, là, tu seras en PLS, mais je serai en PLS total. Alors, c'est drôle, c'est quoi? C'est la frontière entre le monde normal et le monde de caca? Je suis pas serein, je suis pas serein, je suis pas serein, je suis pas serein. Je me chie dessus. Je me chie dessus, c'est du caca liquide. Et bon appétit, bien sûr, et bon appétit gourmand. Oh merde. Pourquoi sur cinématique il y a ça? Merde. Terrible. I'm James. Angela. Apportez manger, pardon. Bon, je vais mettre la cinématique, mais du coup, il y a la roue en plein milieu. Bon, tant pis. Just to run. Maybe it's all we deserve. We. Me. You. We're all the same. I'm not like you. Je suis mieux que vous. Le gros bâtard, je suis mieux que vous. Are you afraid? Même la cinématique, elle lag. Pardon. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So oh la madame, elle a un gros couteau. Un gros couteau. What did you say? How did you know that? Comment vous savez ça, que j'ai un gros couteau? Je sais I just tout. Figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Non, parce qu'elle est morte. J'ai pas dormi cet après-midi, ça a plu. T'inquiète. On ne relève pas, c'est si on ne relève pas. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. Oui, je le veux bien. If I kept it. I'm not sure what I might do. No!
I've been bad. Please don't. Ça fera toujours plus mal que ma batte. Le couteau d'Angela et une clé. La clé de la résilience. Okay. D'accord, non. Moi, la bracadabra. Mon reflet disparaît. Reflétus et disparitus. Puis Angela, elle s'est barrée, quoi. J'adore cette musique. C'est tellement Silent Hill, cette musique. Ah, je peux pas l'équiper, ok. Oh, ouais, d'accord. Ah, le scam, putain. Il y a quelque chose derrière, non, il y a rien. On dirait vraiment la frontière entre le monde réel et le monde de l'autre côté. Et le monde du gros bordel. Alors, il y a Sucre qui a fait un enregistrement. Je suis curieux. Faut aller sur MP3. Ok, merci Sucre. Ouais, je fais des bruits bizarres quand je mange des sauces. Ok. Merci. Merci Sucre, merci beaucoup. J'ai pas sursauté. On est d'accord, hein, j'ai pas sursauté. Motherfucker, j'aimerais un point de sauvegarde là, s'il te plaît. Je. J'aimerais un point de sauvegarde parce que là, ça lag du cul et je veux pas tout refaire.
Parce que si je meurs comme une grosse bite, là, je vais avoir les boules. Hein. Je préfère mettre 10 balles dans le fusil. Vers la flamme, Alexandre Scriabine. Okay. Merci, merci bro. Ah, super answering. Cool. Cool, cool, cool. Je peux faire, voilà, regarder à droite et à gauche. Ok, des balles de pistolet. Ça nous mène où tout ça? Ok. Comme par hasard. Voilà. Comme de par hasard. What is it? Ensemble à tout jamais à 208. Ok. Je rêve où ça sonnait. C'est peut-être la voisine de Jauge. En fait, là, c'est la, voilà, ça, c'est la cage d'escalier chez Jauge. Une fois que la voisine a fait la purge de son radiateur. Voilà. Bah, maintenant, chez Jauge, quand vous allez chez Jauge, voilà, bah, c'est comme ça. Sa cage d'escalier, elle est comme ça. Sa cage d'escalier, c'est Silent Hill, en fait. Ah, c'est sympa, c'est pas mal, hein. Non, mais là, c'est obligé qu'il y ait des trucs. Oh, c'est malaisant ça. Vite! Le poids de sauvegarde. Je vous jure que là je souffle par le nez, je souffle par le... par tous les orifices. Donc là, il faudrait que je le mette à 2h. Voilà. Donc là, on a ouvert le M. Donc là, ouais, je peux crever, je m'en branle. Parce qu'on a sauvegardé. Parce qu'on va pas tous retaper. Et là, le jeu, il peut laguer. J'en ai rien à cirer. Conseil aux 4 dorment pas avec ma face ce soir. Ils s'en battent les couilles. Les 4, ils s'en battent les couilles. Ils craignent des gueux.
Ok. D'accord. Un gloriole. Un tableau recouvert de merde. Le tableau de caca. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Pourquoi je sais pas. J'ai comme une espèce de mauvais pressentiment. Je sens pas le truc là. C'est le tableau de caca. Ah voilà, d'accord. Donc là, c'est pour revenir en arrière. Ok. Jeannot, descends s'il te plaît. Ah putain, le mec il monte, mais il sait pas descendre quoi. Mais frère, j'ai pas fini d'explorer en fait. Putain, le bébé il bouge et il me fait mal. Ah merde! Il veut peut-être une sauce Antoine. Mais c'est généralement comme ça qu'on se tape des screamers de merde. Là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Enfin, concrètement, je peux rien faire. Là, je vois pas. Hein. J'ai des coups de pique dans le ballon. Putain, la vache. Non, alors pas de sauce, mais ça va. Je suis sûr, il réclame de la sauce là. Oui, maman, de la sauce, de la sauce, de la sauce. Allez, la sauce, envoie la sauce. Je sais pas, là, je vois pas ce qu'il faut faire là. Je peux rien faire, je peux ni attraper, je peux ni déplacer des trucs. Pas pur à l'animal.
Oh! Ok. D'accord. Lune. Moins le nombre de points. Tête de mort plus les points. Points moins tête de mort. Donc il y a 4 lunes. Deux points. Quatre, cinq, six. Un point. Oh. Pas qu'il y a une tête de mort dessus, si, mais... Donc attends, 4 lunes. 4, 5, 6. Huit lunes. Moins... Le nombre de points. 8 moins... 8 moins 1, 2, 3, 4, 5, 8 moins 5. Allez les génies du chat, 8 moins 5. Bah ça fait 3. Tête de mort plus point. Donc 5 plus 5 plus 2. Ça fait 7. Tête de mort moins les points. Tête de mort moins les points. Ça fait 5. Tête de mort moins les points. Les points, on est d'accord. Les points, il y en a. On en a 2. 4. 5. Cette tête de mort, on en a 2. À moins que j'en ai oublié là-bas. Ça, c'est deux lunes. C'est deux lunes, une tête de mort. Parce que la soustraction, qu'on la prenne dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Les points moins la tête de mort. Les points, on récapé péton. Ça fait 1. 2, 3. On avait un là, non? Il n'y avait pas un point là. 1, 2, 3. 4, 5. Donc 5 moins 2. Ah, 5 moins 2. 3. Ah ouais, que je suis con. Bah, 3, ouais. Pourquoi je me suis obstiné comme... Mongol, bonjour, bonjour, Fouls le Mongol. Putain, mais ils en ont encore des glorioles, sérieux? Ah, il faut que je mette la main dedans. Il
Ah, vas-y. Let's go. Et c'est le fist. La fistinière. Hop, la fistouille. Aiguille des secondes. Je sens la merguez là. Et ça relague. Et ça relague à nouveau. Donc là, ce que nous dit l'énigme. Henry a peur de Scott. Il esquive et cherche à se cacher. Ça s'est fait enfuir à l'ouest de l'autre côté. Mais voici Carrick Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Donc là, on a fait quelle chambre là ? On a fait la chambre du M. Donc Mildred, innocente. Mildred, innocente. Henri a peur de Scott. Il essaie de chercher à se cacher et enfuir l'ouest de l'autre côté. Ainsi qu'arrive Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Donc, Mildred, toute innocente, donc elle arrive, c'est peut-être midi. Et Scott, il va falloir le faire descendre. Voilà, je fais au pif au mètre carré. Ça fait grosse folle, oui. Ah, j'avoue, ça fait très grosse folle. Hein. Mildred de la folle. Donc là, du coup, j'ai ouvert Scott. Donc du coup, Scott, je vais pouvoir aller le chercher. Mildred de la Folasse. Bonjour, je suis Mildred. Je me suis perdu sous les gens maintenant. Ah ouais, toujours. Lui va se relever, lui. Coucou. Je t'accorde le coucou, parce que j'ai été un petit peu surpris. J'ai tressailli. J'ai tressailli.
Non. Non, putain. La tais-toi, putain. La sauce de niveau 2. Voilà, bon, on n'aura pas profité de la sauce de niveau 1. Enfin, on aura très peu profité de la sauce de niveau 1. La tais-toi. Oh, il y avait 50-50. Oh. Tourne la roue. Non, mais trop tard. Hein. Trop tard, c'est si trop tard. Hein. Volatiliser. La patate, ça calme bien le... Ça calme bien la chaleur. Ça canalise bien les streams de folle, ça déchire. Ce jeu, il déchire. C'est le cas de le dire. La 3 a été à retardement. La 3, non. C'est la 2 qui est à retardement. Ouais. Je sais pas. Le jeu cherche à... Le jeu cherche à communiquer apparemment. Oh putain, ça y est, ça relag. Je vous abandonne, je vais continuer mon usine sur Satisfactory. Ça marche. Merci d'être passé, des bisous. Pardon. Maintenant, à cause de toi, j'ai envie de frites et de nuggets. Oh, t'as rien. Merci beaucoup. Des bisous. Merci, bon jeu. Bonne game. Bonne usine, Modern Kebab. Putain, mais le jeu... Arrête de laguer, quoi. Des bisous à vous. Merci beaucoup. Des bisous. Le S sur la porte, il est là-bas, le S. Le S de streamer. Le S de sadique. Le S de Evangelion. Pa-pa-pa-ra-p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 a. Quoi, sadique? En fait, c'est le S de t'es dans la merde. Oh, Pyramid Head.
C'est vraiment le S de péter dans la grosse merde, quoi. Wow! Putain, la vache! Bon, il m'a mis une tatane. Cours, 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 cours! On se croirait dans des BD. On est sur des BD, je reconnais. Ouais, c'est ça. C'est des BD. Oh la vache. Culé. Culé, 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 culé. Culé de toi. Non, je charge. J'ai crié. Est-ce que ça compte comme un cri? On le fera après, on le fera après. De toute façon, je vais crever là. Voilà, de toute façon, je suis mort là. Ah, voilà, je suis mort. Et plus musclé dans des BD, je trouve. Non, ça compte pas comme un cri. Bon, ça peut compter comme un cri, hein, mais. Mais on peut le. Allez, je le compte comme un cri. Parce que du coup, c'est la dernière action du stream. Oh mais t'es sérieux frérot? Je crois que... D'accord, merci mon ref. Je crois que la strat, hein, c'est du tien dans le dos. Ouais, je meurs là et bah, si je meurs, on s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui. Après, je vous jure que je fais pas exprès de crever, hein. Vous pouvez de ma bonne foi. Après, tu fais comme tu sens. Oui, je fais comme. Oh la vache. Bah, il me met des tatanes de faux. Rien. Ouais, bon, voilà. Je pense que la strat, c'est en fait, c'est de le choper par derrière en fait. Ouais, je suis mort, allez, je suis mort. Voilà, bon, ça, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, je veux quand même garder un minimum de... Enfin, minimum de contenu, je veux garder quand même un peu de contenu, même si j'effleure... J'effleure le jeu. Même ça va me dire, mais Fouals, tu effleures le jeu, tu n'as pas... Tu es loin d'avoir tout vu. Tu n'en es qu'au début. Mais effectivement, Gabochère, j'en suis peut-être qu'au début. Mais je voudrais quand même garder un petit peu de contenu. Tu as bien avancé. Écoute, j'estime aussi avoir bien avancé. Celui-là, c'est cadeau. Sauce number one. Sauce numéro 2.
dernière, embrasse-moi. Regardez-moi ça. Le nugget de l'enfer, le nugget Silent Hill. À consommer avec modération, bien sûr. Oh, la bombe à retardement. Tu sens qu'elle monte à mesure la sauce. J'ai postillonné partout. Oh, j'ai l'estomac en vrac. Oh la vache. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je mangerai une glace en ton honneur tout à l'heure. Toi, enfin, tout à l'heure. J'ai compris, à tout à l'heure. Bah écoute, avec plaisir. Moi, en tout cas, j'ai mon McFlurry qui m'attend. Je peux vous dire que je vais le déguster, mon McFlurry. Je vais l'apprécier de fou malade. Tellement que voilà, quoi. Bah vous savez quoi, on va rendre l'appareil. On va aller chez Fala. Je crois que Fala est en live sur Satisfactory. Non, allez, on va aller voir un petit peu Fala. Pendant que je meurs là. Ah, ça va aller, ouais, ça va aller. Ça va aller. Allez, let's go chez Fala. Oh putain! Je vais mourir. je vais mourir en paix. Pendant que vous allez regarder Satisfactory. Let's go chez Fala, nous on se retrouve dès demain 19h ici même sur cette magnifique et rutilante chaîne. Non pas pour un défi Hot One, c'est bon, j'ai donné là. Mais pour Tomb Raider 3, avec une petite partie speedrun du premier niveau de Londres, etc., etc. Mais j'en dis pas plus. Allez, let's go chez Fala, t'es folle. Voilà le mot de la fin. Bisous, ciao, ciao.